Allez, bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe Auteur Blogueur et Lecteur Homme Passion pour ce nouveau live avec ce soir Stéphane Sanchez. Donc Stéphane, bonsoir. Bonsoir Florian, bonsoir. Voilà, merci à toi d'avoir accepté donc l'invitation du groupe à venir partager ton univers livresque ainsi que ton dernier roman La Nouvelle Vie aux éditions Poisson Volant. C'est ça, la nouvelle amie, c'est ça. Voilà, c'est ce que je dis, la nouvelle amie de Poisson Volant. Donc voilà, donc avant les premières questions, tu connais le principe de l'émission. Donc les personnes sont là en direct ce soir donc pour venir te poser des questions. Donc Ouais. voilà, le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais en tout cas, encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Ben merci à toi et merci à tous ceux qui sont en direct avec nous. C'est un grand plaisir. Eh bien, écoute, on peut déjà saluer. Donc, je vois que Tali Bannière est là, bonsoir. Estelle Onda, Eric Arouat, Anne-Marie Bougré qui est là. Donc, bonsoir à tous. Posez vos Bonsoir. questions dès maintenant. Mais en attendant, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire qui est Stéphane Sanchez? Oui, je peux faire ça. Alors, donc, je suis auteur depuis 2013. J'ai publié sept livres, sept romans pour la plupart. Je suis aussi libraire à côté. Voilà, j'ai eu la chance de recevoir quelques prix littéraires. J'ai commencé en écrivant des romans policiers, notamment Anatomie des vagues et Château Noir en 2016 et en 2017. Et puis, petit à petit, je me suis orienté vers des histoires vraies, du vécu, mon parcours, un peu de l'introspection finalement, avec un ouvrage qui s'appelle Deux enfances, Minoudreau et moi. Et puis le tout dernier, La Nouvelle Amie, qui est en grande partie une histoire vraie aussi. Voilà. D'accord, ok. Et justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a permis ou qu'est-ce qui t'a poussé à devenir auteur? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir auteur? Je crois que c'est une sorte de nécessité intérieure, finalement. Moi, j'ai toujours été un enfant un petit peu artiste, un petit peu différent. Quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. J'écrivais des poèmes, des petits textes. Et puis, plus tard, à l'adolescence, 18-19 ans, j'avais un journal, en fait, un journal intime dans lequel je racontais mes déceptions sentimentales, mon quotidien, etc. Et puis, je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien, en fait, de coucher mes émotions sur papier. Donc, j'ai commencé à écrire une nouvelle, deux nouvelles, un petit roman. Un deuxième roman, et puis là j'ai senti que bon, il y avait quand même quelque chose qui était là, qu'il fallait creuser, qu'il fallait vraiment extérioriser. Et puis j'ai eu la chance, voilà, d'être publié avec un premier livre en 2013. Mais je crois que c'est parti vraiment de quelque chose, des tripes en fait, hein. Quelque chose de très fort dans le bas du ventre. Voilà. D'accord, ok. Bah, écoute, merci beaucoup donc pour cette présentation et ce métier d'auteur. Et justement, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier qui est si particulier, qui est auteur, auteur-écrivain? Alors, il y a plusieurs choses. Ce que j'aime déjà, c'est que, bon, moi, comme je disais, il y a toujours un côté très personnel, très introspectif. L'écriture, ça me permet, moi, de mettre vraiment mes idées au clair, de mettre les choses à plat. D'ailleurs, je suis quelqu'un d'assez ordonné. On voit un peu mes livres là à côté. Je suis très maniaque. Donc, l'écriture, c'est aussi une manière, en fait, de voilà, mettre mes idées au clair. Donc ça c'est une chose. Et puis bon, moi je suis un rêveur un petit peu aussi, donc il y a la partie fiction qui m'intéresse évidemment. J'ai toujours aimé qu'on me raconte des histoires. Quand j'étais petit, je me souviens que ma grand-mère, elle me lisait les contes de fées et ça me passionnait, ça me fascinait. Ma mère, elle me lisait des histoires, des passages de l'histoire de France et ça aussi, ça me faisait vraiment vibrer. Donc je crois que j'ai tellement aimé qu'on me raconte des histoires étant enfant que j'ai voulu moi aussi faire partager ce bonheur, ce plaisir en racontant moi aussi mes histoires. D'accord, ok. Donc on rappelle hein, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, donc que tu es l'auteur là d'un dernier roman, donc La Nouvelle Amie aux éditions Poisson Volant. Donc tu l'as dit tout à l'heure que c'est tiré d'une histoire vraie. Oui. Tu vas avoir l'occasion de nous le présenter. Mais avant, est-ce que tu peux nous présenter cette maison d'édition, effectivement, que personne. Oui. Alors, Le Poisson Volant, donc c'est une maison d'édition assez jeune, hein, qui a quelques années, qui est dirigée par Laure Collet, qui est aixoise à la base et qui s'est expatriée à Lisbonne. Et à Lisbonne, avec son mari, en fait, ils ont créé cette maison d'édition qui, à la base, est plutôt spécialisée, qui s'est spécialisée. Comment dire, sur des textes en fait, ben, en lien avec la culture portugaise, Lisbonne, etc., etc. Donc en publiant des auteurs en fait français, hein, essentiellement, mais qui ont
un lien particulier avec le Portugal. Et puis finalement, elle a voulu, et donc mon livre finalement, ça ouvre une nouvelle porte aussi, puisqu'elle a voulu lors retrouver ses origines, ses racines, Aix-en-Provence. Et comme mon livre se passe à Aix, comme je suis aixois, c'était une forme de retour aux sources finalement avec ce livre, en publiant des textes qui se passent en partie aussi à Aix, pas que au Portugal. D'accord. Justement, petite erreur dans le visuel, excusez-moi. D'ailleurs, quand tu parles du Portugal, je tiens à saluer donc notre ami et auteur Benjamin Audouin. Je salue aussi Amandine Sanchez, qui nous dit Françoise Sanchez, je pense que tu dois connaître. Oui. Et bien également Nabila, qui nous dit bonsoir de Paris. Voilà, donc toute la France entière te regarde ce soir, cher ami. Merci, je suis très heureux. Voilà, donc en tout cas, merci à tous d'être là. Je le répète, hein, n'hésitez pas à poser vos questions à Stéphane, il y répond. Hein, voilà, on est là pour une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, voilà. Justement, présente-nous ton roman. Donc, La Nouvelle Amie que je vous remontre juste ici. Voilà. Donc, s'inspire en fait d'une histoire vraie, hein, une histoire d'amitié toxique en fait. Puisque moi, j'ai été pendant 2 ans et demi, 3 ans, amie avec ce qu'on appelle une influenceuse Instagram. Et ça s'est plutôt mal terminé. Donc c'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile en me disant qu'elle allait m'aider à vendre des livres, à me faire connaître au travers de vidéos YouTube, au travers d'Instagram, etc., etc. Et puis ça a pris une tournure un petit peu perverse. Donc moi j'ai écrit ce livre en fait en pensant à mes cousins qui ont une vingtaine d'années et qui finalement sont nés avec ces réseaux sociaux, avec TikTok, avec YouTube, Facebook, etc., etc. Et je me disais, mais en fait, ils n'ont pas forcément ce recul que moi j'ai, puisqu'aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et en fait, moi, j'ai connu l'avant-Internet. J'ai connu l'avant-télé-réalité, tous ces médias qu'on a vus qui ont explosé comme Facebook. Et je pense que faire un petit peu de prévention, alors, ce n'est pas forcément le but du livre hein, non plus, parce que je pointe du doigt des choses. C'est une critique de ces réseaux, mais pas que. Mais je me disais que voilà, parler de ce sujet, ça pouvait être intéressant pour en pointer du doigt certains dangers, on va dire. Voilà. D'accord. Mais justement, c'est intéressant que tu parles des réseaux sociaux qui est au centre de ton livre, car Talibanière qui pose donc sa deuxième question, et je te demanderai s'il te plaît, Tali, de me reposer la première puisque je l'ai perdue, qui nous dit « Quand on parle des réseaux sociaux, cela va avec la nouvelle technologie, elle n'est pas toujours au mieux de sa forme. » Non. Merci Tali. Non, c'est sûr. Alors, moi, je ne veux pas passer pour le vieux con, hein. Mais parce que c'est vrai que, bon, on peut se dire que la technologie, elle apporte tout un tas de réponses à des questions. Je pense à la médecine, hein, je veux dire au progrès de la médecine, au progrès de la science, au confort qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais je crois qu'on est en train aussi un petit peu de perdre finalement... ce lien à l'humain, quoi. Et puis en plus avec le Covid, le virus, etc., on a vraiment, je trouve, perdu le contact humain, le contact à l'autre, et puis aussi le contact avec la nature, les animaux. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer assez crucial, et moi j'ai pas envie en tout cas de basculer dans une société qui serait complètement gouvernée par la technologie, où on serait... où on passerait toutes nos journées derrière des écrans, où il n'y aurait plus ce contact entre humains, où on pourrait plus se faire la bise, se serrer dans les bras. Je crois qu'il y a ce qu'on est en train de vivre là, ça dit beaucoup de choses, et on est à un point de bascule, enfin moi c'est comme ça que je le sens aussi. Et la grande question c'est dans quelle société est-ce qu'on a envie de vivre, et dans quelle société est-ce qu'on va évoluer. Je pense là aux enfants qui aujourd'hui... sont les citoyens de demain, quoi, voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, je vois que Jacques-Laurent Amar est là. Bonsoir. Bonsoir. Sanchez qui est là. Tali qui est toujours là. Nuage Moelleux Dory qui nous dit « Puf, j'ai loupé ». Ne vous inquiétez pas, le live sera disponible pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas vu le live en entier. Il est disponible en rediffusion ou en replay. Ça dépend comment, que c'est le bien les bas en ce moment sur l'anglicisme. Donc, en replay ou en rediffusion sur la page YouTube, dont vous retrouverez le lien un petit peu plus dessus, donc il sera disponible dès ce soir. As-tu connu le syndrome de la page blanche? Eh bien, non. Alors là, je dois dire que j'ai beaucoup de chance, parce que non, je n'ai jamais connu ce syndrome-là, dans le sens où,
À chaque fois que je commence l'écriture d'un nouveau livre, il y a toujours une phase préparatoire en fait qui est assez importante où je vais vraiment créer des fiches sur mes personnages. Je vais vraiment dessiner des plans en fait, des lieux dans lesquels mes personnages vont évoluer. Je me souviens que pour La Nuit, je me perds, par exemple, mon deuxième livre, j'avais vraiment dessiné le plan de l'appartement des deux appartements de mes personnages. Je vais commencer vraiment à écrire le livre quand j'ai la fin de mon histoire, pas avant. Donc forcément, comme j'ai mon plan, grosso modo, j'ai les principaux événements, j'ai la trame, et puis la chute, donc, j'ai pas... non, non, non. J'ai juste, en fait, ce stress, du temps. Parce que comme je travaille à côté, donc je suis libraire et puis avant j'étais guide en musée, c'est toujours ce problème de la gestion du temps, de dire mais quand est-ce que je vais pouvoir coucher mes idées sur papier, quand est-ce que je vais pouvoir faire évoluer mon histoire. Mais voilà, pour répondre à la question en deux mots, comme je connais la chute du livre, j'ai pas le syndrome de la page blanche. D'accord, merci beaucoup. Il y a une question de Thali qui demande, et c'était la première question qu'elle a posée, parmi tes 7 livres dont tu es l'auteur, tu en as parlé tout à l'heure, lequel tu as le plus aimé écrire et lequel a été le plus difficile émotionnellement? Et je tiens aussi à saluer donc Christine Goguet qui vient de se connecter. Donc bonsoir à vous Christine, ça ravit de vous retrouver. Bonsoir Christine. Le livre qui a été le plus éprouvant pour moi à écrire, je pense que c'était « Deux enfances, Minou Drouet et moi ». Donc, c'est mon 6e livre. C'est un livre que j'ai écrit en fait sous forme de lettres. C'est une correspondance qui est adressée à Minou Drouet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Minou Drouet, c'est une poétesse qui est toujours vivante hein, et qui a publié des poèmes à l'âge de 8 ans en 1955. Et qui a été victime d'une polémique assez violente, puisque les journalistes de l'époque ont dit que ce n'était pas elle qui avait écrit les poèmes, et que c'était une menteuse, une fraudeuse, et que c'était sa mère adoptive qui les avait écrits à sa place. Donc moi, c'est une histoire que j'ai découverte pendant mes études d'art plastique et qui m'est restée en tête pendant des années. Du coup, j'ai toujours voulu écrire quelque chose là-dessus, et puis il y a 2-3 ans, je me suis décidé à le faire. Et donc, je lui ai écrit des lettres à cette Minou Drouet, qui a 74 ans aujourd'hui, dans lesquelles eh bien, j'ai retracé son parcours, la polémique, etc., mais aussi mon enfance, deux enfances, ça s'appelle. Donc, j'ai aussi parlé de l'enfant que j'ai été, un enfant un peu particulier, parce que comme je l'explique dans le livre, en fait, moi, jusqu'à mes 8-9 ans, je me déguisais en fille et je voulais être une fille, vraiment. Donc ça a été... quelque chose de très, très dur à sortir émotionnellement. Donc, c'est peut-être celui-là qui est le plus personnel, le plus autobiographique et le plus, qui a été le plus intense à écrire, voilà, le plus difficile. D'accord. Ben, merci beaucoup donc, pour cette réponse. Il y a Benjamin Audouin qui nous parle. Donc, tu parlais tout à l'heure du personnage de ton roman, donc La Nouvelle Amie, qui nous demande justement cette femme, est-ce qu'elle était amoureuse ou elle voulait une conception de l'amitié très forte, ou alors peut-être un peu jeune. Alors en fait, bon, comme moi, je suis homosexuel, il n'y a jamais eu d'ambiguïté sexuelle de toute façon de ce côté-là. Sauf qu'après, c'est vrai que comme elle était fascinée par les homosexuels de manière générale, il y avait une grande attirance de son côté, mais qui était plus de l'ordre de la... Oui, une certaine fascination, on va dire. Mais après, non, il n'y avait pas d'ambiguïté sentimentale, sexuelle ou quoi que ce soit. Non, non. Il y avait vraiment son rêve, donc à cette influenceuse, c'était de devenir auteur. Et elle s'est dit qu'en fait, en ayant comme ami un auteur, un libraire, ça allait lui être utile, en fait, pour sa carrière à elle, finalement. Donc, il y a eu ce côté un peu utilitariste, voilà, dans cette histoire. D'accord. Donc, justement, puisque dans ton roman, tu dis des réseaux sociaux, peut-être que tu parles aussi de l'homosexualité, est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels tu n'écrirais jamais? Des thèmes sur lesquels j'écrirais jamais? Sûrement. Sûrement. Généralement, j'essaie d'écrire sur ce que je connais. Je prends peu de risques en vérité, parce que dans mes romans, il y a toujours, je parle souvent de la famille, bon, de l'homosexualité aussi, mais je ne m'aventurerai pas à parler de sujets que je ne maîtrise pas, vraiment.
vraiment. Alors, ça veut. Moi, quand je commence un livre, il y a toujours, je parlais de cette phase préparatoire où je vais faire des recherches, où je vais faire mon plan, etc. Mais non, je me lancerai pas dans l'écriture d'un livre sur la colonisation ou sur, je sais pas trop quel sujet. Et Ouais, je préfère connaître, voilà, et faut l'avoir vraiment vécu. que tu connaisses le sujet pour éventuellement aborder. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs des fois qui nous disent ben, des livres sur l'inceste, des livres sur la sexualité. Toi, il faut vraiment que tu connaisses ton sujet, quoi. Tu sois Franchement, compétent. franchement. Ouais. Ok, d'accord. Benjamin Audouard qui nous dit, donc, qui je le rappelle, est aussi un auteur et qui vit à Lisbonne, hein, pour ça. Donc, bonsoir, merci d'être Enchanté, là. bonsoir. Benjamin donc rebondit sur ce que tu disais par rapport à l'homosexualité et qui nous dit moi aussi Stéphane je suis gay mais on voit vite quand un homme ou même une femme se sert de notre métier pour draguer, non? Moi je crois que je suis un peu lent à la détente et je pense que j'ai un petit côté naïf aussi, un petit côté gentil, bisounours. Donc j'ai plutôt tendance à voir le bon chez l'autre et c'est vrai qu'en tant que libraire, en tant que commerçant, il faut aimer les gens. Donc j'ai toujours tendance à voir le beau chez l'autre et à me dire non, non, mais même s'il y a des petites réflexions désagréables. C'est pas grave, la personne, elle est pas bien ou elle traverse des choses difficiles. Donc, c'est mon côté optimiste, un peu naïf, effectivement, mais oui, je pense qu'on capte ces choses-là, effectivement. D'accord, merci beaucoup. Si j'ai bien compris, rebondit encore Benjamin, nous dit c'est ton livre dont on voit la couverture à l'écran, hein, La Nouvelle Amie. Donc, si j'ai bien compris, c'est un récit romancé et cette femme a-t-elle lu le livre? Alors, c'est un récit romancé, c'est exactement ça. Est-ce qu'elle a lu le livre? Eh bien, non, parce que, enfin, je ne pense pas, en tout cas, vu que ça s'est très mal terminé entre nous, ce que je raconte dans le livre, elle a coupé les ponts avec moi de manière assez radicale, et moi aussi, donc, je vois un petit peu ce qu'elle devient, parce que de temps en temps, je suis poussé par la curiosité et je vais voir son Instagram. Donc, je vois qu'elle est toujours autant suivie, qu'elle a de plus en plus de followers. Mais après, non, je pense pas qu'elle ait eu le livre et moi j'ai plus de contact en fait depuis plusieurs depuis un bon moment en fait. Donc voilà. Mais j'ai quand même essayé d'être de comment dire de préserver son identité un maximum. Et l'idée c'était pas c'est pas il faut le dire de lui taper dessus ou quoi que ce soit ou d'être méchant ou pas du tout. Hein. On reste quand même bienveillant. Enfin j'ai essayé. Voilà. D'accord, mais en tout cas, ça se voit que tu es quelqu'un de très bienveillant. En tout cas, donc merci J'espère. encore à toi d'être avec nous aujourd'hui. Donc, y a Thalie, justement, qui nous demande si tu peux nous lire un extrait. Et vu Oui. justement que Thalie est là, je voudrais la remercier parce qu'elle est, comme vous le savez, donc auteure aux éditions Redactive et qu'à partir de la semaine prochaine, pour l'ensemble du mois de février, vous le voyez à l'écran, nous aurons la chance de recevoir donc les auteurs de Redactive pour des lives spéciaux pour venir présenter, comme on le fait ce soir avec toi, cher Stéphane, leur univers livresque. Et on terminera par Maëlys Père, qui est donc la responsable éditorialiste, directrice pardon, de production aux éditions Redactive. Et en plus, nous aurons aussi leur infographiste qui viendra nous parler. Donc vraiment, encore une fois, merci à Thalie pour ça. Donc vous le voyez à partir du 5 au 26 février. Voilà, vous revoyez le visuel. Voilà, est-ce que tu peux donc nous Oui, lire bien un sûr. extrait Merci donc, de Thalie ton et prochain? je salue toute l'équipe de Redactive qui est une très belle maison d'édition qu'on défend dans ma librairie. Voilà. Voilà, effectivement, Donc, on aura l'occasion d'en discuter. Merci à toi. exactement. Alors, je vais vous lire un chapitre qui s'appelle Visite surprise. Eric m'avait ouvert les yeux. Notre apprenti auteur n'était intéressé que par le succès et les paillettes. Ce qu'elle veut, c'est se créer un réseau, se faire des contacts grâce à nous, m'avait assuré mon confident. Elle n'a qu'une idée en tête, écrire un roman et le faire paraître. Cette fille pense que nous avons rejoint la secte des écrivains publiés et que nous bénéficions de relations privilégiées avec les acteurs du monde du livre. L'arrivisme de elle m'apparaissait plus nettement. Après tout, quelle valeur accorder à ses compliments? Avait-elle acheté l'un de mes romans? Était-elle déjà venue à l'une de mes séances de dédicace? Les réponses à mes questions étaient négatives. Eric avait clôturé l'une de nos conversations par une observation de taille. Steph, tu es auteur et libraire. Tu as le profil idéal pour l'aider à sortir son livre et à le mettre en avant dans ta boutique. J'étais resté sans voix. Pouvait-elle être aussi calculatrice? Voilà.
Écoute, merci beaucoup. Un Donc, petit extrait. Stéphane, bah, écoute, un petit extrait, mais un extrait fort intéressant. Donc, je rejoins bah, toutes les personnes qui sont là. Merci beaucoup pour cet extrait. Et justement, pour revenir à cette jeune demoiselle, Oui. est-ce que tu aimerais qu'elle le lise, si ce n'est pas déjà fait? Pas spécialement. Pas spécialement, mais après, comme je le disais, j'ai essayé d'être le plus honnête, le plus bienveillant possible. Si ça pouvait, d'une certaine manière, l'aider peut-être à prendre du recul sur ce qu'elle fait et sur son obsession du virtuel et des réseaux, si ça pouvait l'aider, oui. Mais je pense qu'elle est tellement, c'est ce que je dis dans le livre, elle est allée tellement loin, elle va tellement loin, que je pense que ça servirait à rien et ça lui ferait pas prendre conscience de grand-chose, malheureusement. Et on en avait déjà parlé de toute façon quand on se fréquentait. Je pense qu'elle est vraiment prisonnière d'une sorte de cage dorée qu'elle s'est créée, de cage virtuelle, quoi. Et je suis pas sûr que ce livre pourrait lui ouvrir les yeux, malheureusement. D'accord. Et justement, il y a une question très intéressante de Nabila, que je salue, que je connais bien, qui nous demande, est-ce qu'elle ne vous a pas accusé de se servir d'elle pour écrire cette histoire? Question très intéressante. Eh bien, je ne sais pas. C'est un risque, effectivement, c'est un risque. Hein. Mais c'est vrai qu'avant d'écrire le livre, je me suis bien rendu compte, enfin, je me suis bien renseigné sur les risques que je pouvais encourir, hein, bien sûr. Donc, il n'y a aucun propos diffamatoire dans le livre. Et l'idée, c'est pas du tout, encore une fois, de lui taper dessus. C'est vraiment de parler des réseaux et d'essayer de prendre un petit peu de recul face à ça et de dire, attention. La vie qu'on vous expose sur les réseaux, la vie de ces stars, de ces influenceurs, ce n'est pas la vraie vie. Parce que moi, j'ai encore des amis hein, qui ont une trentaine d'années qui me disent, mais tu te rends compte, je vais prendre l'exemple, je ne sais pas, Nabila ou je ne sais pas quelle star de télé-réalité, tu te rends compte, elle est tout le temps en voyage, elle est dans des hôtels de rêve, elle a un chéri magnifique, elle a une vie parfaite. Et je lui disais, mais tu te rends compte que ce que les gens mettent sur Instagram, c'est un choix, c'est une sélection de photos. Il y a des filtres. On peut faire des tas de choses aujourd'hui. On peut faire croire un petit peu ce qu'on veut aux gens. Donc l'idée, c'est voilà, juste de faire un pas de côté et de se dire, ce n'est pas la réalité. Voilà, c'est tout. C'est un peu du maquillage, des paillettes, une mascarade. Voilà. Oui, c'est vrai que tu as bien raison de le dire, tu faut faire très attention, on l'a encore vu ce matin aux infos, les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi aujourd'hui les réseaux sociaux c'est un danger? Moi, je Comme pense. tu dis, on veut pas parler comme des vieux, comme tu Non, l'as dit tout non, à l'heure. Il n'y aura pas de bip au montage, mais non. voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme notre génération, quand on parle des réseaux sociaux, on passe pour des Ben vieux. oui. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire justement aux jeunes d'aujourd'hui qui passent leur temps sur les réseaux sociaux et qui justement se vendent des vieux rêves? Voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas un souci. Je pense que ça peut être vraiment un très très bel outil pour faire des rencontres, pour exposer des projets artistiques. Pour publier de magnifiques photos, faire de l'art ou tout un tas de choses. Mais je crois qu'il faut vraiment aussi se poser la question de ce qu'on y fait, de ce qu'on y cherche clairement, se méfier un tout petit peu, et puis essayer de limiter son temps aussi, parce que c'est très chronophage, et je pense qu'on peut passer facilement à côté de la vie, en fait. Mais moi-même, j'en suis victime, le premier, hein, c'est-à-dire que je peux passer des journées à la maison avec Facebook ouvert, Instagram ouvert, et puis on a les notifications qui s'affichent, le petit bruit, on est addict, quoi, à ça, je veux dire, entre ça, le téléphone, enfin, tous les écrans. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, essayons de mettre un petit peu ça de côté, sortons dehors, retrouvons-nous dans un bar, dans la nature, faisons des balades, discutons, échangeons, prenons-nous dans les bras si on peut le faire. C'est aussi ça la vie, quoi. C'est pas que rester assis derrière un écran. Voilà, je crois que c'est un peu ça le message, quoi. Voilà. Eh Et bien, de écoute, merci pour ce message. Donc, on retient, quitter les réseaux sociaux, sauf pour venir voir les lives des auteurs sur Auteurs, voilà, blogueurs et comment là passer. ça va. Le seul moment de la journée où vous avez le droit de venir C'est ça, sur les c'est réseaux ça, sociaux. c'est ça. Ou alors pour aller suivre l'actualité des auteurs. Voilà. Plusieurs questions qui viennent d'arriver. Donc, Tali qui rebondit sur ce que tu disais, effectivement, on peut tout faire dire à une photo. Voilà, c'est Ouais. vrai que la photo n'est pas forcément la vie. Ouais. Combien de temps? Et ensuite, je reviendrai sur la question de Benjamin, parce qu'effectivement, j'aimerais bien qu'on parle de ta librairie également. Ouais. Concernant ton roman, combien de temps il t'a fallu pour écrire ce livre? Donc, on le rappelle, hein, La Nouvelle Amie aux éditions Poisson Volant. Combien de temps Alors, il t'a moi, je suis assez régulier dans ma
dans ma... Alors, ressouci de connexion avec notre ami Stéphane. Alors, écoutez, on va, en attendant, ne quittez pas. Je rappelle, en attendant qu'il revienne, que les éditions Red Active seront donc nos invités exceptionnels dès le mois prochain, donc c'est-à-dire là, à partir de mardi, non, jeudi, excusez-moi. Voilà, donc j'aurai l'occasion de refaire un rappel sur le groupe dès lundi. Donc en tout cas, voilà, je remercie encore une fois les auteurs de Red Active et particulièrement à Atali pour ce travail remarquable qu'elle a fait. Bon, en attendant que notre cher ami revienne, voilà, n'hésitez pas à reposer vos questions. Alors là, je vois qu'il n'y en a plus pour le moment. Voilà, alors, on va juste attendre 30 secondes, sinon je serai obligé de remettre le petit jingle, le temps d'aller le chercher, mais normalement, il ne doit pas être loin. Voilà, excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct. Donc, n'hésitez pas à poser moi vos questions. Donc, je rappelle hein, qu'il est l'auteur du roman « La nouvelle amie » aux éditions Poisson Volant, hein, qui nous rappelle ce que c'est réellement les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas que du bon, il y a aussi du mauvais. Donc, il faut faire vraiment très attention. Re-re, coucou. Voilà, de retour avec une chaise pour ce nouveau live. Donc, voilà, on parlait donc des réseaux sociaux, mais j'aimerais bien, comme on disait, qu'on parle aussi un petit peu de ta librairie située à Aix-en-Provence, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu disais tout à l'heure, tu es auteur, mais aussi libraire à Aix-en-Provence. Oui. Justement, est-ce que tu peux nous présenter rapidement cette librairie et aussi répondre à la question de Benjamin qui nous demande, est-ce que votre librairie propose des livres d'auteurs indépendants ? Alors, ce n'est pas ma librairie en vérité. Hein. Donc, j'y travaille depuis 6 ans, mais je suis salarié. Donc, c'est la librairie de ma patronne, Rita Fidon. Donc, on est vraiment en plein centre-ville d'Aix. On est au 11 rue Jacques Delarocque, pas loin de la cathédrale Saint-Sauveur. Et donc, on est une librairie spécialisée sur la Provence. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de livres d'histoire, notamment, ou de la littérature, mais qui vont se passer en Provence. Voilà. Donc, on a ouvert récemment, là, depuis un an, puisqu'on a déménagé, on a ouvert à autre chose, on a des nouveautés, on a de la littérature, mais voilà, on a gardé cette spécialité, cette spécificité provençale. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on a des auteurs indépendants, des auteurs autopubliés, etc., etc. Oui, tout à fait, on travaille avec les auteurs de la région, avec beaucoup d'auteurs de la région. Donc, on a des dépôts, on croule même sous les dépôts. Voilà, disons que si le livre a un lien avec la Provence, ça peut nous intéresser, tout à fait. Voilà. Eh bien, écoute, merci à toi. On peut retrouver la page de la librairie sur Facebook ou oui, un site internet. Oui, tout à fait. Librairie Le Blason, on a un site internet, on a une page Instagram aussi, Le Blason 2. Il y a tout ce qu'il faut. Allez. Sylvain Dunevon, bonsoir, qui est là, qui nous dit salut, bonsoir. Salut Sylvain. Quelle serait ta réaction si une ou un booktubeur ou booktubeuse te contactait pour mettre en lumière tes ouvrages ? Moi, j'en serais ravi. Je suis toujours partant de toute façon pour faire des vidéos, pour parler de mon travail, pour parler des auteurs et de livres en général, hein, puisque bon, voilà, en tant que libraire, c'est la littérature avec un grand L qui m'anime, hein, qui me plaît. Donc, je serais ravi. Après, c'est-à-dire qu'avec la personne dont je parle dans le livre, avec cette influenceuse Instagram, on a fait des vidéos ensemble. C'était très chouette. Hein, malheureusement, elle les a supprimées, donc ces vidéos ne sont plus visibles. Mais moi, je suis toujours partant. Ouais, je suis partant. Allez. Une, voire deux questions de notre amie Thalie, qui est en forme ce soir, et merci à elle. Merci. Alors, par contre, ça fait beaucoup de questions en une, mais tu as reçu des prix concours. Est-ce que tu participes beaucoup à des concours? Et est-ce que cela signifie que tu écris des nouvelles entre pendant tes livres ou tu ne fais partie? Première question, tu as reçu des prix concours. Est-ce que tu participes beaucoup à des concours? Alors, non, en fait, j'ai reçu des prix littéraires pour mes livres. Je n'ai pas participé à de concours d'écriture de nouvelles ou quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Donc, deuxième question. Oui. Est-ce que cela signifie que tu écris des nouvelles entre ou pendant les livres ou tu ne fais... Thalie, repose ta question, s'il te plaît.
Parce que là, il manque des mots. Est-ce que cela signifie que tu écris des nouvelles entre ou pendant les livres ou tu ne fais participer que tes livres? Voilà, c'est Ah ça. voilà. Non, en fait, je n'écris pas de nouvelles. Enfin, j'en ai écrit au début, mais j'en écris plus depuis longtemps. Je trouve que c'est assez difficile en peu de pages, quoi, voilà, d'arriver à croquer des personnages, des situations. Puis il faut une chute qui est vraiment costaud, quoi. Je trouve que l'art de la nouvelle, c'est très dur. C'est pas forcément mon truc. Donc non, je déjà écrire un livre et travailler à côté, c'est compliqué. Et ça, tous les auteurs peuvent le dire, hein. Donc non, j'écris mes livres, mes romans, et puis c'est tout, hein. Franchement, non. Les prix que j'ai eus, c'est vraiment des prix. J'en ai eu un lors du salon du livre de Cérès. J'en ai eu un pour qui regroupait, en fait, qui était un prix spécial du jury pour le Grand Prix littéraire de Provence. Et puis le dernier, c'était le prix du roman gay dans la catégorie épistolaire pour deux enfances. Mais à chaque fois, c'est vraiment des livres que je fais par que je fais partie que je soumets à des membres d'un jury, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puisque tu parles de Céreste, hein, je rappelle qu'il y a le salon de Céreste qui est organisé hein, tous les ans au mois de juillet par notre amie Marie-Blanche Tout Cordoux, à fait, hein, tout à que fait. vous commencez à connaître sur le groupe, puisqu'elle vient régulièrement faire des chroniques sur le groupe. Elle fait aussi des chroniques sur France Bleu Provence et sur France 3. Donc voilà, petite pensée pour elle. Je ne sais pas si Oui, elle est là ce soir. Mais en tout cas, voilà, Céreste, beau salon. Donc en plus, c'est des prix Marie-Blanche, oui. récompensés, c'est super. Ouais, vraiment, Marie-Blanche que j'aime beaucoup, que je salue et qui est vraiment une belle personne. Eh oui, je confirme en tout cas. Jean-Christophe Galiègue, pardon, qui est là. J'ai pas de questions, juste l'envie de dire que Stéphane est un écrivain des plus sensibles et des plus authentiques que je connaisse. Félicitations à lui. Ça me touche beaucoup. Jean-Christophe, c'est vraiment une très très belle personne aussi et un très bel auteur à découvrir aussi, vraiment. Ah, bah écoute, avec grand plaisir, hein, comme Vraiment. Jean-Christophe. Hein. Voilà, si, donc, on aura l'occasion d'en parler, mais s'il veut, vraiment, Oui, hein, comme je le franchement. répète toujours, hein, si vous êtes intéressés, chers auteurs, pour faire des lives, il y a le lien un petit peu plus haut. Hein, donc, n'hésitez pas à me contacter. Là, sur le mois de février, on est complet, puisque je rappelle que c'est les auteurs de Redactive. Mais voilà, à partir du mois de mars, pourquoi pas, deux soirs par semaine, un petit live, en Oui, général le jeudi. je pense à Sylvain Dunevon, et vraiment, il y a des auteurs là qui sont présents. N'hésitez pas, vraiment, il y a du haut niveau là, franchement. Florian, tu peux y aller. Alors, on y va. Donc, chers messieurs, n'hésitez pas à me contacter Voilà. ou directement via Messenger et on s'organise ça, Voilà. si ça vous intéresse, bien sûr. Alors, pour l'instant, je n'ai plus de questions. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à en poser. Alors, on est déjà à 45 de live si on enlève, allez, 5-10 minutes de bug. Encore une Ouais. fois, désolé. Ouais, désolé. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que tu es l'auteur du roman La Nouvelle Amie, enfin, du récit plutôt. Du récit. On peut dire que c'est un récit. Autobiographique. Oui, tout à fait. Oui, franchement. Oui, parce que je parle vraiment de mon métier de libraire, de ma carrière d'auteur, de mon quotidien. Je parle de mon copain de l'époque. Je parle, c'est vraiment. Oui, c'est moi, quoi. Voilà, donc la nouvelle amie aux éditions Poisson Volant. Sylvain Dunevon, donc notre cher auteur, qui demande, as-tu un nouveau projet en tête? Alors oui, que j'ai commencé il y a 2 jours d'ailleurs. Donc je suis en pleine phase d'écriture, effectivement. En fait, je vais écrire un livre donc qui sera dans la continuité de celui que j'ai écrit sur Minot Drouet. Donc je vais reprendre cette idée de correspondance, donc d'écriture de lettres. Cette fois, je vais les adresser ces lettres à Sarah-Michel Guélard. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc Sarah-Michel Guélard, c'est l'interprète de Buffy dans la série télé Buffy contre les vampires. Voilà. Ah, je l'ai bien connu. Et voilà. Donc ça parlera aux personnes de notre génération. Et donc moi j'ai fait un petit blocage sur Sarah-Michel Guélard depuis que j'ai 12 ans. Et Donc tu le diras à personne, mais c'était la seule fille à qui j'avais des posters dans ma chambre quand j'étais ado. ah, mais Mais ça me dis-tu fait personne. plaisir. Ça Tu me n'es fait pas le plaisir, seul. Florian. Je Oui. garde le secret. Je garde le secret. Et donc, je suis en train de lui écrire des lettres dans lesquelles je vais lui rendre hommage, je vais retracer sa carrière, et puis je vais parler de mon adolescence, en fait. D'accord, ok. Donc un projet qu'on pourra donc qui a commencé il y a 2 jours, mais qu'on pourra retrouver peut-être, parce que justement, il y avait une question, et peut-être que ça répondra partiellement à ma question. Vu que ça a coupé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait, vu que ça a coupé, combien de temps pour écrire ton livre? Alors, le premier jet, c'est toujours, moi je suis réglé comme une horloge suisse, c'est toujours entre 2 et 3 mois pour le premier jet. Ensuite, je laisse reposer tout ça pendant un mois.
et puis je reprends, j'améliore, j'enlève, je taille un petit peu dans le gras, quoi. Et puis ensuite, je fais lire à un petit cercle de proches. Donc, il y a ma patronne qui est libraire. J'ai un ami, Raphaël Wadbled, qui écrit, qui est correcteur professionnel aussi. Un autre ami, Fabrice, qui est correcteur aussi. Quelques amis proches, voilà, qui forment une sorte de petit club, un petit club de lecteurs fidèles qui vont vraiment me faire des retours pour voir ce qui a amélioré, a changé, les points positifs, points négatifs. Et une fois que ce travail-là est fait, là, je vais envoyer aux éditeurs. Voilà. D'accord, super. Ben, je réponds forcément à la question qui a été posée tout à l'heure. Je ne sais plus qui l'a posée, si tu faisais appel à des chroniqueurs ou à des correcteurs, bêta-lecteurs, je crois que c'était la Oui, c'est question. ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. Vraiment, c'est important pour moi. Alors, pas, ça représente pas forcément beaucoup de personnes. Hein, je veux dire, on est sur 4, 5 personnes. Je veux dire, de confiance vraiment, qui me connaissent et qui sont des personnes bienveillantes et qui vont vraiment veiller à ce que le texte soit le mieux possible, quoi, hein, vraiment. Donc, D'accord. moi, j'ai besoin de ces retours-là, quoi, vraiment, de ce travail-là. J'imagine que c'est important. Ben oui. Tali qui nous dit en ce moment, je regarde les Buffy, je suis fan. Je suis Tali, je fan. t'aime. Jean-Christophe Galliègue qui nous dit, question très difficile pour un auteur, j'imagine, ou un très grand lecteur, Oula. qui nous dit, si tu devais emporter un livre sur une île déserte, un ou deux, lequel tu veux? Jean-Christophe, là, c'est difficile. Une Alors, bibliothèque. ouais, si je devais emporter un ou deux livres, je pense. Et je ne vais pas être très original dans ma réponse, mais je pense que je prendrai un dictionnaire et la Bible. Ouais, Ça reste des livres. Ça ouais, reste je des livres. pense. Je pense parce que finalement, la Bible, ben, je ne l'ai jamais lue. Je ne suis pas sûr que ce soit très, très digeste, donc je pourrais y revenir, je pourrais poser, m'arrêter, reprendre. Et puis le dictionnaire, ben, finalement, parce qu'il y a plein de mots comme ça. Que je connais pas ou dont je suis pas certain de la définition exacte, donc ouais, je prendrai ces deux-là, je crois. Allez, c'est noté. Nabila qui nous dit curieuse de le découvrir. Alors, je ne sais pas si elle parle de ton futur projet des lettres à Saint-Michel Gélard ou si c'est de ton roman dont tu es, on va dire, aujourd'hui présent pour parler de lui, La Nouvelle Amie aux éditions Poisson Volant. Nabila, si tu veux juste nous préciser de quel livre Oui. tu parles. Et Amandine qui nous dit, est-ce que tu vas contacter Sarah-Michel Gélard du coup? Alors, c'est la question que je me pose en fait. Je suis Faut nous dire pas, avant tu vas contacter. ouais, je suis pas absolument certain de le faire. J'ai envie, j'ai très envie, et en même temps j'ai été un petit peu refroidi parce que dans mon livre sur Minot Drouet, donc j'ai réussi à obtenir la réponse de Minot Drouet à mes lettres. À la fin, elle a vraiment repris la plume pour me répondre. Mais on a eu des rapports qui étaient assez froids finalement. Et puis, bon, sans rentrer dans les détails, il y a eu aussi une question financière. Bon, donc j'ai été un petit peu déçu, un petit peu échaudé, un petit peu échaudé. Donc j'ai peur que Sarah-Michel Guélard, qui a tout mon respect, toute mon admiration, me demande aussi une somme peut-être. Importante pour faire éventuellement une préface ou pour me répondre. Ou... Et j'ai peur d'être déçu, en fait. J'ai vraiment peur d'être déçu. Ouais, ce Ça que... serait plus la charmante demoiselle qu'on connaît. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. En fait, comme je la suis depuis que j'ai 12 ans et j'ai vu tous ses films, toutes ses séries, je crois que je l'ai mise sur un tel piédestal que j'ai pas forcément envie qu'elle en redescende, je dois dire. D'accord. Alors, Nabila nous précise qu'elle parlait bien donc du dernier roman, La Oui. Nouvelle Amie, aux éditions Poisson Volant. Ouais, Voilà. ben merci Nabila, merci beaucoup. Je suis toujours friand des retours des lecteurs, donc ceux qui me lisent, n'hésitez pas vraiment à me faire part de vos impressions, de vos avis. C'est toujours important pour moi et j'adore vraiment partager, recevoir vos photos et tout. C'est pour un auteur, c'est juste génial, quoi, vraiment d'avoir ces échanges-là. Eh bien, écoute, merci à toi, Nabila. Et puis, je sais qu'elle est une grande lectrice aussi, Ah, donc elle en parlera, ça c'est sûr. c'est gentil. Amandine Sanchez qui nous dit, s'il faut, c'est la chance de le faire, j'imagine, pour en contacter Sarah-Michel Gélard. Oui, tout à fait. C'est ma sœur, hein, donc. Eh oui, eh oui. Bonjour. Eh oui. Oui, Amandine, je pense que je tenterai quand même, parce que j'ai un ami qui est réalisateur et qui est en contact avec une actrice qui s'appelle Rebecca Gayheart. Et Rebecca Gayheart, elle a joué dans Scream 2 avec Sarah Michelle Gellar. Bon,
elles ont partagé l'affiche d'un autre film aussi qui s'appelle Harvard Story. Donc, je pense que par le biais de Rebecca Gayheart, je pourrais éventuellement atteindre Sarah-Michelle Gellar. Donc, ça pourrait éventuellement se faire, effectivement. Je le tenterai, oui, je suis trop curieux, effectivement. Eh ben écoute, tu nous tiendras au courant Ouais, et puis ben bien bien sûr. entendu, quand le livre, comment on peut définir ce projet? Est-ce que ce sera un livre? Est-ce que ce Oui, sera comment? ce sera une correspondance, tout simplement. Une correspondance, Oui, voilà. Donc quand il sera sorti, à ne pas hésiter à venir nous en ben parler. bien sûr. Ben, en fait, c'est une commande, ce livre-là, d'un éditeur qui s'appelle Rouge Profond, qui est un gros éditeur cinéma qui est basé à Aix-en-Provence, d'ailleurs, qui est diffusé dans toute la France. Et c'est devenu un ami, et il va sortir, en fait, l'année prochaine, un livre sur Buffy, vraiment sur la série. Et moi, en discutant avec lui, j'ai dit, mais tu sais, moi, je suis fan de Sarah, j'aimerais écrire une biographie, quelque chose sur elle. Et il m'a dit, mais écris ce que tu veux, et on sortira les deux livres en même temps pour les 25 ans de la fin de la série. Eh ben, Donc, si tout va bien, ça devrait sortir en juin 2023. Voilà, si tout va bien. juin 2023. Voilà, bah écoute, le rendez-vous est pris. En Voilà. tout cas, merci beaucoup pour ces réponses. Alors, je regarde. Alors, Tali qui nous dit, c'est mon frère qui m'a poussé à écrire à Bernard Weber, les fratries sont là pour nous pousser. Eh Ah ben oui. oui, tout à fait, Thalie. Et vraiment, moi, je partage absolument ton avis puisque j'entretiens une correspondance avec Amélie Nothomb depuis 2013. Oui, Je la lui. chroniquer ton livre Oui, d'ailleurs. tout à fait, tout à fait. En fait, pour chacun de mes livres, elle m'écrit un mot gentil, elle me fait un retour adorable. En fait, Amélie Nothomb, moi, je l'ai découverte à l'adolescence, à un moment où je sortais d'Harry Potter, Peggy Sue, tous ces romans-là. Je savais plus trop quoi lire. La littérature pour adultes, ça m'attirait pas forcément. Et je suis tombé sur les romans d'Amélie Nothomb, mais là, ça m'a redynamisé, reboosté, ça m'a reporté vers la littérature. Du coup, dès que j'ai sorti mon premier roman, Soleil Blanc, je lui ai envoyé, je lui ai offert. Et depuis, on n'a pas arrêté de s'écrire. Et voilà, elle est géniale, elle est hyper encourageante, hyper bienveillante. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir ce lien-là, en tout cas d'avoir une réponse, un aval d'une personne qu'on admire. Voilà, c'est toujours hyper gratifiant. Eh bien, écoute, merci en tout cas Stéphane. Je vérifie si j'ai d'autres questions. J'ai pas d'autres questions. Il y a juste Ali qui nous dit waouh, beau projet. Donc Merci. on va dire que c'est sur ces mots-là qu'on va s'arrêter Oui. si cela ne vous dérange pas. En tout cas, merci à toi Stéphane d'être venu ce soir donc nous parler de ton dernier roman, La Nouvelle Amie aux éditions Poisson Volant. Hein. Je l'aurais répété Ah, mille fois dans oui, merci Florian. Merci à toi, mais vraiment. voilà, c'est aussi le but. Donc vraiment encore une fois, merci à toi d'être venu nous parler de tout ça, de ton univers, de tes projets, qui Ouais. d'ailleurs on va l'attendre avec impatience. Merci. Je te laisse le mot de la fin, en tout cas merci à Ben toi. merci Florian, merci pour ta gentillesse, pour ton accueil, pour ta bienveillance, tes questions. Merci à tous ceux qui ont été là ce soir en ligne, en direct. Merci Thalie, Jean-Christophe, Sylvain, ma sœur. Merci Nabila, merci. Merci à tous. Et je me sens vraiment chanceux d'être autant suivi, d'être autant porté, de recevoir autant d'amour. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, merci, merci infiniment. Voilà, je suis très touché. Eh bien, écoute, merci à toi. En tout cas, voilà, ce sont sur ces mots-là qu'on va se quitter. Donc, voilà, je remercie Tali qui était là également. Jean-Christophe Gagné qui nous dit merci à vous deux. Ben, merci à vous. Merci pour cela. C'était très agréable. Je confirme tout ça. Donc, merci à Merci. vous. Si vous avez lu ou que vous allez lire le roman, J'espère. le roman, le récit de Stéphane, ben, n'hésitez pas à nous en faire partager vos avis. Moi, j'ai bien reçu mon exemplaire Ouais. et je lui donnerai grande attention et te ferai bien entendu mon Ah, mais retour. j'espère, j'espère. C'est promis. Moi, tous les retours que j'ai promis, je les fais. En tout cas, voilà, merci à vous. Alors, chers amis, je vous rappelle juste une dernière fois avant de se quitter que c'est les éditions Rédactives qui seront mis à l'honneur tout le mois de février sur le groupe du 5 au 26 février, un live jeudi et le samedi soir. Voilà, encore une fois, je remercie Tali qui est aussi à l'initiative de ce live. Donc, vraiment, merci à Merci. tous. On se retrouve donc dès la semaine prochaine avec Rédactive et je vous souhaite un très bon week-end. Merci à tous, à bientôt.